Bonjour à tous, nous sommes ici pour faire le tutoriel de la ferme Enderman qui marche en 1.8 car en effet les fermes précédentes, les précédents designs de ferme Enderman ne marchent plus en 1.8. Donc voici un tout nouveau design qui marche parfaitement bien, vous pouvez le voir derrière. Je vais vous expliquer pas à pas comment réaliser ce design qui n'est pas très très compliqué. Et puis c'est parti! La première chose à faire pour construire votre usine Enderman, c'est de trouver le lieu. Et il faut donc vous éloigner de 128 blocs de l'île de l'End principale. Pourquoi? Car à 128 blocs, à cette distance, les mobs disparaissent instantanément. Donc je vais m'éloigner suffisamment. Nous voici maintenant suffisamment éloignés de l'île de l'End. Nous allons pouvoir commencer à construire la base de l'usine Enderman, à savoir la zone de réception. Prenez pour cela de la soul sand et nous allons réaliser une petite plateforme de 2 x 20 de longueur. 2 comme ça et 20 de longueur. Je vais la construire, on se reprend juste après. Donc nous voici avec la plateforme de 2 x 20. J'ai maintenant fait tout le tour avec des dalles de n'importe quel bloc. J'ai mis du quartz ici, mais vous pouvez mettre n'importe quel bloc. Nous allons maintenant commencer à construire le premier anneau. Le premier anneau qui se situe à 2 blocs au-dessus de la dalle. Enfin, un bloc et demi en vérité. Cet anneau est lui aussi, comme les dalles, de 4 x 22. Je vais le construire maintenant. Voici donc le premier anneau de construit de 4 x 22. Nous allons maintenant construire 13 autres anneaux pour avoir en tout 14 anneaux, chacun d'eux séparé par deux blocs, donc de cette manière. Je vais les construire, puis on se retrouve juste après. Donc voici le dernier anneau que nous avons placé. Nous allons pouvoir le doubler. Exactement. Comme je vais faire tout de suite. Après avoir doublé l'anneau, nous allons maintenant pouvoir placer des boutons de ce côté-là, de chaque côté des anneaux et sur l'anneau du bas. Donc ça, c'est quelque chose qui reste très classique dans les usines Enderman. Aussi, nous allons placer des vignes juste au-dessus, des lianes, pardon. Et ça aussi, c'est quelque chose de classique pour freiner les Enderman, de classique dans les usines à Enderman. Après avoir placé toutes ces lianes et ces boutons, nous allons maintenant placer des torches de redstone. Il va falloir en placer de chaque côté, tout du long en longueur, et uniquement sur les deux en largeur. Il faut toujours laisser un coin vide. Donc je vais réaliser ça et on se reprend juste après. Donc voilà ce que ça donne. Nous avons des torches de redstone sur toute la longueur, en longueur justement, et en largeur seulement sur deux des quatre. Maintenant, nous allons pouvoir placer des blocs au-dessus de ces torches de redstone, tout du long, mais également à cet endroit-là, là où il n'y a pas de torches. Donc ça va être la même chose de chaque côté. On allait pouvoir faire tout le tour. Je vais faire ça et on se retrouve après. Nous avons maintenant placé nos blocs par-dessus les torches de redstone de chaque côté. Et nous allons maintenant placer une autre rangée de torches de redstone exactement là où étaient les précédentes. Donc effectivement avec un bloc de chaque côté en largeur qui n'est pas rempli de torches de redstone. Une fois que vous avez fait l'opération tout autour de cet anneau, nous allons pouvoir placer les pistons collants. Il faut les placer sur les torches de redstone et tourner vers l'intérieur de l'usine. Et ça, ce sera de chaque côté, uniquement sur les torches, évidemment. Je m'occupe de ça. Et voilà le résultat. Nous allons maintenant prendre des blocs et les placer juste en face des pistons, de cette manière. Vous pouvez également compléter les blocs vides dans les coins, ici et ici, ainsi que de l'autre côté. Maintenant, nous allons placer des plaques de pression à ce niveau-là. Vous allez en placer sur tous les blocs. Et voilà le résultat. Maintenant, nous allons surélever cet anneau ici de 3 de hauteur, de chaque côté. Et voilà ce que ça donne au final. Il faut maintenant prendre des boutons et les placer au niveau de du troisième bloc en bas et pas comme je viens de faire.
donc de chaque côté. Et au niveau des angles, vous faites de cette manière. À savoir que vous laissez, comme on avait fait au niveau des torches, vous laissez un bloc vide à ce niveau-là et le bouton va se mettre du côté de la longueur. Et ça sera la même chose de l'autre côté, je vais vous montrer. Voilà, jusqu'au bout et là seulement deux. Plus qu'à faire ça tout du long. Vous allez maintenant pouvoir placer les lianes juste au-dessus des boutons de chaque côté en respectant au niveau des coins ce schéma-là. Après, si vous faites ça et qu'il y a les lianes de ce côté-là, ce n'est pas grave, ça marchera aussi bien. C'est juste pour un souci de symétrie. Et voilà le résultat. Nous allons maintenant procéder à la réalisation du deuxième anneau, qui sera exactement comme celui du bas, mais agrandi d'un bloc de chaque côté. Pour cela, nous allons compléter les derniers coins de chaque côté du dernier anneau, et nous allons placer des torches de redstone exactement comme nous l'avions fait avant, en laissant le coin au niveau de la largeur vide. Et en mettant des torches tout le long. Donc de cette manière. Et voilà le résultat. Nous allons maintenant, de la même manière que précédemment, poser des blocs sur les torches, comme ceci, et également là où il n'y avait pas de torches, comme ceci. Et ça, tout autour de l'usine, exactement de la même manière que nous avions fait avant, sauf que c'était juste un bloc plus court. Finalement, deux blocs plus courts de chaque côté. Voilà ce que ça donne au final. Nous allons maintenant placer les torches en face des torches précédentes, de la même manière que nous avions fait avant, tout autour de cet anneau-là. Voilà ce que ça donne. Et puis, nous allons pouvoir ainsi placer les pistons de la même manière que précédemment, donc tourner vers l'intérieur de la ferme et uniquement sur les torches, pas sur les blocs vides. Donc voilà ce que ça nous donne. Comme vous allez pouvoir le deviner, nous allons maintenant placer des blocs au niveau des pistons, donc à cet endroit-là. Et voilà le résultat. De la même manière que précédemment, nous allons placer les plaques de pression au niveau du sol tout du long. Voilà, chose faite. Et maintenant, nous allons mettre des blocs, à savoir trois blocs, à ce niveau-là, comme nous avions fait précédemment. Nous voici, comme précédemment, dans la même situation. Et donc, nous allons placer les boutons exactement de la même façon que tout à l'heure, avec un bloc qui est laissé vide, non pas comme ça évidemment, un bloc qui est laissé vide au niveau des petits côtés. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir placer les lianes. Maintenant que les lianes sont placées, nous allons pouvoir remplir juste les coins comme nous avions fait précédemment. De toute manière, c'est exactement la même chose avec un bloc de plus de chaque côté. Et une fois ça, nous allons pouvoir répéter exactement le même pattern, à savoir mettre les torches sur les côtés, puis après les blocs, les torches, les pistons, etc. Nous avons actuellement deux rangées de pistons. Nous allons pouvoir continuer d'agrandir de cette manière en élargissant d'un bloc de chaque côté à chaque fois. Pour en avoir 5, 5 rangées de pistons. Donc il ne nous reste plus que 3 étages à construire. Je vais les construire sans vous, puis on se retrouve juste après. Nous avons construit les 5 étages, comme je vous l'avais dit précédemment, les 5 étages de pistons. Vous pouvez remarquer que sur le dernier étage, je n'ai pas fait 2 étages de liane, mais seulement un étage. Nous sommes rendus en haut de l'usine et il n'est pas nécessaire d'avoir 2 étages. On va maintenant placer des pistons non collants, contrairement aux pistons collants qu'on avait placés précédemment. Donc tout le long de l'usine de ce côté-là. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Et maintenant, de l'autre côté, nous allons pouvoir placer les pistons décalés d'un bloc, de cette manière-là. Si vous ne vous êtes pas trompé au niveau des étages, normalement, vous devriez placer 30 pistons de chaque côté. Donc on se retrouve dès que j'ai placé les pistons. Donc voilà ce que ça donne une fois les pistons placés. Vous voyez que la rangée de droite est décalée d'un bloc. Nous allons maintenant placer des dalles en partie haute au niveau des pistons.
Donc on va faire une plateforme qui va arriver jusque là, donc à un bloc des pistons. Donc de l'autre côté, ça touche les pistons. Et tout le long des 30 blocs. Je vais créer cette plateforme, on se retrouve juste après. Donc voici la plateforme qui normalement est censée faire 12 x 30 en dalle en partie haute. Donc je vais compter avec vous pour voir si on s'est pas trompé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 c'est ok, puis je sais que j'ai 30 pistons de long. Donc c'est ok. Maintenant nous allons pouvoir faire l'alimentation des pistons. Pour ceci, il faut placer des blocs le long des pistons de chaque côté. J'ai maintenant réalisé les petites rangées de blocs le long des pistons qui vont me permettre d'alimenter les pistons. Il suffit. Alors, vous voyez qu'on a un bug en snapshot, je suis désolé pour ça. Il suffit d'alimenter, de faire courir, pardon, un fil de redstone tout du long de chaque côté de cette manière. Une fois que c'est fait, nous allons injecter grâce à un répéteur à 3 tics dans les pistons qui sont décalés d'un bloc par rapport à la plateforme. Et nous allons extraire le courant au niveau des pistons, enfin de 1 tic, au niveau des pistons qui sont pile poil au niveau de la plateforme. De cette manière. Aussi, nous allons maintenant amener le courant de l'autre côté de cette manière. Tous les fils sont maintenant placés. Vous pouvez également remarquer que dans chaque coin, j'ai mis un bloc qui va transmettre le courant. Ce bloc est important, sinon la longueur maximale sera trop grande et le courant ne sera pas envoyé d'un côté de la plateforme jusqu'à l'autre côté. Aussi, j'ai commencé à placer ces deux blocs. Ces deux blocs sont à équidistance de la plateforme de chaque côté, à savoir que si nous comptons d'ici jusqu'à l'autre côté, nous arrivons à 15 et ici à 15 également. Donc si on prend là, 1, 2, 3, 4, 5, on arrive au bout, ça sera 15 et la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ces deux blocs sont placés du côté des pistons qui sont collés à la plateforme et pas du côté des pistons qui sont décalés d'un bloc. Ceci est important. Collé à ces deux blocs, vous allez pouvoir mettre deux répéteurs à un tick ainsi que deux blocs avec des fils de redstone sur chacun d'eux. Nous allons maintenant faire un plus limiteur grâce à un piston collant de cette manière. Hop. Une fois le plus limiteur placé, nous allons maintenant créer la cloque créée par ISO. Une cloque avec des hoppers que je vais construire devant vous car elle est extrêmement simple à construire. Pour ceci, il faut placer des pistons de cette manière. Avec un bloc de redstone entre les deux. Nous allons maintenant placer des entonnoirs, des hoppers, de cette manière. Avec des blocs placés exactement comme ça. Donc, il nous faut un comparateur qui injecte un courant dans ce bloc et simplement un petit fil qui sera de ce côté-là. Donc voilà, la cloque est construite. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à alimenter la cloque. C'est une cloque très rapide, seulement 5 blocs vont transiter entre les deux hoppers. Maintenant que nous avons construit l'essentiel de l'usine, il va falloir limiter la surface prenable uniquement à la plateforme mouvante. Pour ceci, munissons-nous de dalles que nous allons placer tout autour de l'usine de cette manière. Et voici le résultat une fois les dalles placées. Il ne nous reste plus qu'à daller le timer. Ceci est très simple à faire, il suffit de recouvrir chacun des composants et les blocs avec des dalles. De la même manière que nous avons fait pour le reste de l'usine. Et voilà. Notre usine est maintenant fonctionnelle. Il faut toujours un petit moment avant que l'usine se mette en route.
et ensuite l'efficacité est au maximum. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, il y en aura d'autres à venir sur cette chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous conseille, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations techniques et mécaniques sur cette usine, de regarder l'épisode 4 du serveur Little Worlds, qui est également sur cette même chaîne, si vous ne l'aviez pas déjà vu. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à plus.